J'ai peur, maman. Pourquoi je dois mettre tous mes enfants? Suis-je Dieu, peut-être? Je pense qu'on leur ment. Arrête tes histoires de marabout, s'il te plaît. Entre drame, amour et trahison, Sanguna, le dernier film de Stella Widomdié, a rendez-vous avec les cinéphiles du Cameroun. Je joue le rôle de Tchakounté, un homme qui a vécu, qui a réussi sa vie, mais qui se retrouve du jour au lendemain à avoir un véritable problème, comme je dis souvent, un challenge de vie. Il n'arrive pas à avoir des enfants. Donc toutefois qu'il conçoit un enfant, il a un enfant avec sa femme, l'enfant meurt. Maintenant, quand on rentre dans son passé, on se rend compte qu'en réalité, ce gars avait commis une bêtise, il avait violé quelqu'un, la fille d'un génie de la forêt. Et après, les turpitudes de cela ont continué à le poursuivre parce qu'il avait pactisé à faire cet esprit. Des erreurs de jeunesse devenues fatales pour la famille Tchakounté, un scénario qui a séduit Stella, productrice et actrice. Ça sensibilisait les jeunes parce que quand vous voyez autour de vous aujourd'hui, les jeunes aiment ce qu'on appelle la facilité. Et voilà, c'est un film vraiment pour l'éducation. De quoi séduire les amoureux du 7e art, dont le Covid-19 avait sévré de la projection intégrale d'un film qui sort de l'ordinaire. Nous avons tourné dans un décor sphérique, c'est-à-dire à Bana. Je ne sais pas si les gens sont déjà partis à Bana. Il y a des sites touristiques incroyables à Bana. L'autre motivation encore, c'est en fait un cinéma pur, un cinéma digeste, un cinéma où on se retrouverait facilement dans un grand univers qui est comme par exemple Hollywood. On ne va pas se rendre compte que en fait les acteurs, si sont camerounais, ceux-ci ne sont pas camerounais. Le rendez-vous du 29 juillet 2022 dès 18h au cinéma Eden à Douala s'annonce en couleur pour un long métrage d'1h36. J'attends que les cinéphiles soient présents, qui nous montrent que ouais, on aime ce que vous faites, on est là pour vous comme nous sommes là pour eux. Et ensemble, on doit vivre ce moment intense du cinéma. Aidez-nous aussi à être des Denzel Washington Camerounais. Pardon, quitte. Maman Africa. Situé à Akwa, au carrefour idéal. Les billets d'entrée, comme Alain a dit, 3000 francs simple, 5000 francs VIP, 5000 francs couple. Qui l'a appelé dans ma vie? C'est tout. C'est tout. Elle ne revient plus dans ma vidéo après, c'est clair. Bye. Bye bye. Des vidéos entre Alain Bomo et Stella Widomdié. Elle révélée au grand public dans les déballeurs de Benezek et Pombia. Il y en aura encore avec un long métrage en cours de tournage à Yaoundé. Le tournage actuel parle de Melchizedek. Vous savez, vous connaissez le roi de Salem. On ne sait pas d'où il vient. Il n'a pas eu de progéniture, de descendants. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Aujourd'hui, la prolifération des églises réveillées, la façon dont l'église est devenue un church business, nous a suscité une autre façon, une autre vision des choses. Nous avons voulu pointer du doigt cette extrapolation que nous sommes en train de sortir déjà de ce que c'est que véritablement Dieu. Parce que la contextualisation de Dieu dans notre univers fait véritablement problème. Sortie du film fin novembre 2022, Stella Widomdié, résidant en Allemagne, veut avec ses partenaires et collaborateurs apporter la pierre à l'édifice pour la perfection du cinéma camerounais. Rendez-vous dans 10 minutes, tu peux pas annuler juste comme ça. Si.